Hey, salut à tous les amis, c'est Okalo, on se retrouve sur League of Legends pour une nouvelle game. Aujourd'hui, on part en 5v5, parce que ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, non, ça fait pas longtemps que j'ai fait le 5v5, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur League of Legends, donc allons-y, voilà, faut que j'en prépare une. Je pense pas qu'elle sera postée là aujourd'hui, hein. On est le 8, elle sera pas postée le 8, loin de là, elle sera postée le week-end d'après, enfin bref. Mais bon, en tout cas, une petite vidéo sur League of Legends, parce que ça faisait longtemps. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu DJ Sona déjà, l'annonce de Bard, qui est le champion le plus chelou que j'ai jamais vu et qui fait de la trompette, donc je kiffe. Nous avons un Bard, Sona, nous avons des champions assez énormes. Alors, nous tombons avec des Français, très bien. Alors, mid ta gueule, je mid ta gueule, VTFF, NTM, MDR, tout ça. Bref, on connaît les gens sur League of Legends. Par contre, j'ai coupé Skype, parce que je m'en fous de Skype. Voilà. Alors, Skype, non. Alors, là, actuellement, non, juste non. Adieu, Skype, voilà. Parfait. C'est quand même bien expliqué. Tu peux couper Skype en même temps que ça nique pas ton enregistrement. J'adore ça. Alors, nous avons un top, nous avons un jungle, nous avons... Je sais pas ce qu'on a. Ok. Mid, ta gueule, mid, je jungle top. Ok. Bon, bah, je vais ADC. Même si on a une team sans tank. Très bien. Je vais ADC. Je vais prendre quoi? Sachant que je vais me faire dépouiller parce que ce qu'on l'a Valok. Peut-être mieux que je prenne un truc à porter. Sachant que je n'aime pas ADC. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on tente une Caitlyn? Allez, j'aime pas Caitlyn. Je ne supporte pas Caitlyn. Non. Bon, allez, Caitlyn, fuck it. C'est un champion trop chiant, on va prendre Caitlyn quand même. Parce que fuck it. Alors, une carry AD. Du ADC, voilà, là on prend un heal qu'on n'a pas, et voilà, en avant, c'est bon, il a changé, c'est quand même pas un débile à ce point. Est-ce que j'ai un skin sur Caitlyn? Non, j'ai pas de skin sur Caitlyn, donc voilà, je sais pas si ça va, soumis, c'est trop con, je sais pas si ça va faire la coupure ou pas, allons-y, voilà, direction l'écran de chargement. Ah mais c'est formidable, XSplit reprend directement dans l'écran de chargement, c'est parfait. XSplit c'est quand même un petit logiciel de génie ça. Alors nous sommes avec quoi? Nous sommes avec un Urgot Platine Top de l'infini, Urgot Top. Arrêtez de jouer Urgot les mecs, il est en travail d'orfonte, c'est pas pour rien. Caitlyn, bon bah Caitlyn, voilà, gros jeu hein Caitlyn. Morgana, Gold, Nidalee, ouais, bah, classique hein, j'ai envie de dire. Le seul problème de notre team, ça c'est un Litine, le seul problème de notre team c'est que nous avons pas de tanky. À part Urgot et Lee Sin, et encore. Du coup, moi je suis bien. J'ai bien fait de prendre Caitlyn parce que je vais pouvoir rester à l'autre bout du monde. Mais en face, eux, ils ont du tanky. Parce qu'ils ont. Bon, alors ils ont Twitch. Twitch en ADC contre Caitlyn. Il a perdu, hein, officiellement. Si je joue pas trop comme un porc, il a perdu. Nous avons Shogat. Shogat en top lane. Shogat contre Urgot. Je sais pas si le match-up est à l'avantage de l'un ou l'autre. Pour moi, c'est un match-up plutôt équilibré. Urgot va farmer, Shogat va farmer, et Shogat va régène alors qu'Urgot va essayer de le poke. Mais aucun ne se fera de gros dégâts, à moins qu'il y ait une grosse engage de bâtard. Je pense que c'est bon. Maître Yi jungle, donc Maître Yi va juste me voir, il va faire je te saute à la gueule, je te trichote. Voilà, donc ça c'est normal. Il va me vouloir ma mort. Donc on va espérer que le Lee Sin soit assez réactif pour lui faire un bon i-coup dans la gueule. Morgana support contre Morgana, bah, ça va être très drôle comme match-up, hein. Aucune cage ne passe et personne n'est stun. Et un Vladimir, et ça Vladimir ça m'étonne. Vladimir ça m'étonne, parce que ce qu'on voit rarement des Vladimir. Et what the fuck, j'ai pas une seule perte de FPS, alléluia. Mais il est tellement bien ce logiciel, je suis très content parce que du coup ça tient bien, mon PC tient le coup, je n'ai pas de perte de FPS littéralement, là je suis à 60. Donc c'est bien si je suis à 60. Ça veut dire que je peux tranquillement jouer à League of Legends tout en record, enfin tout en faisant le record et sans problème de lag. Parce que tout à l'heure j'ai record du Trackmania et j'avais des problèmes de lag, mon Trackmania était à 20 FPS. La vidéo est rendue en 60 mais mon Trackmania était en 20 FPS, donc c'est un peu chiant. Voilà, mais ce qui est bien c'est que sur LoL apparemment il continue, enfin il prend vraiment les FPS maximum. C'est pratique, c'est parfait, voilà, mon PC tient bon. Merci à toi PC de tenir bon. Qu'est-ce qu'ils font ces désabrutis? Alors écoutez, je veux bien que la map soit jolie, mais quand même, c'est pas notre côté, ça. Oh les dégâts! Les dégâts!
Allez, t'as pris la tatane. Est-ce que j'attends là? Est-ce que j'attends là est-ce que je fouine ward? Est-ce que... Vas-y, on tente. Je fouine ward et si quelqu'un vient, je fais haha, I'm a sniper. Le pro sniper du 9-3. Ok, alors elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-dedans. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. J'ai intérêt à courir. Cours, Kathleen! Cours, fuis, vol! Ça coûte que 50 mana le pacificateur. Waouh! Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher le pacificateur. Je trouve que c'est peu. Du coup, on va se mettre là et on va commencer à stacker les coups de passif. Ce serait bien. Pif! 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 Et voilà. Ouah, j'ai failli lui prendre! Oh! C'était tout calculé, ne vous inquiétez pas. Alors, what the fuck? Ah non, d'accord, il est quand même parti en troll. Ah, c'est quand même un troll en fait. D'accord, donc c'est quand même un connard jusqu'au bout. En fait, écoute, toute Morgana que tu as peu de chance contre une Catherine. Ok, mis à part si tu fais ça. On va flash out. J'ai préféré craquer le heal, même si je pense que j'étais safe. Bon, mon support, il est où? Là, il est parti. Donc on va rester tranquillement sur la tour. Et on va last hit. Voilà, gros jeu. Oh non, j'en ai aligné aucun. Non, non, eh oh. Twitch, please. Please, tu mourras pas comme ça. J'ai quand même un petit ralentissement, faut pas déconner. Non. 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 Aïe. Aïe. Esquive. Aïe. Mais c'est qu'elle me tuerait cette pute. Mais c'est qu'elle m'a tué. Mais je suis... Mais what? Mais j'ai le droit d'être dégoûté. J'ai le droit d'être vraiment dégoûté. Les autolides de Morgana, la puissance. Oui. Bon, bah en tout cas, je pense que la game va être dure pour moi. Hein. Là, je me prends, je suis victime d'un troll. Est-ce que le tribunal du troll peut intervenir, lui de Ease? Je suis victime d'un troll de niveau 1000. C'est-à-dire qu'on est en train de me voler mon support. on m'a niqué la botlane. Déjà que j'étais pas chaud pour ADC. C'est pas mon rôle préféré. Mais alors là, si en plus on me nie complètement la bot lane, ça me fait chier. Du coup, ben, voilà. Oh, je l'ai pas eu, vous êtes sérieux? C'est dingue, Caitlyn, je n'aime rien chez elle. J'aime pas sa voix. J'aime pas ses sorts. Meet the long gun of the law. Au secours, c'est un AD carry tout seul qui demande de l'aide. Je ne demande qu'un support parce qu'un Twitch feed ça va pas le faire. Un Twitch feed c'est rarement la meilleure idée. Hein. Je sais pas si vous connaissez le champion, mais feed c'est puissant comme bazar. Hein. Ça craint, vraiment. Aïe. FDP, oh, calme. Eh mais c'est qu'il est tanky en plus ce fils de pute. Il a vachement de vie pour un Twitch. C'est bien. Je m'amuse énormément actuellement. Grosse lane d'attente. Tout le monde prend des coups, putain. Non mais la tour, arrête de tirer. Please, j'ai déjà cette difficulté comme ça pendu. Farm. Et j'ai plus de mana. Et là par contre tu pouvais tirer la tour. Sorry boys. I keep the fuzzy cups at home. An enemy has been slain. Non. Je l'ai pas non plus. Single shit. So many bad guys. So little time.
La 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 la. Mais esquive. Moi qui ai complètement foiré mon sort en passant. Au secours. Toujours pas d'aide. Ils ont même pas l'air chaud pour bouger leur cul. Ah, avant de monter la top lane, ça allait s'entretuer. Oui, je me fais tuer. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait, je me fais casser la gueule en bot lane actuellement, mes chers alliés. Ah bah, je suis mort. Ça va vite. Peut-être pas. Si je meurs. Non, je meurs pas. Vous savez quoi? J'ai même pas envie de retourner au bot. J'ai pas du tout envie de retourner au bot. C'est quoi les effets? Oh, c'est dégueulasse ces effets. Ils sont dégueulasses les effets pour son snipe shot. J'ai même pas envie de retourner au bot, donc j'ai pas envie d'y aller. Je veux pas y aller. Je veux pas aller sur ma lane. J'abandonne ma lane. Abandonne lane! Abandonnation de lane! Voilà. Moi j'abandonne ma lane, je vais aller au mid. Voilà. J'ai pas envie d'aller sur une lane où je me fais maltraiter, ça sert absolument à rien. Donc il se démerde. Ah, à part si Lydale veut peut-être bouger avec moi. Est-ce qu'elle aura retrouvé un semblant de cerveau? Ah non, elle veut juste prendre le farm à mon avis. Elle va prendre le farm et elle va se barrer au mid. Allez, on parie. Elle va prendre le maximum de farm pour être sûr que ma game soit bien pourrie à fond. Voilà, bien sûr elle foire. Et là, elle se barre. Elle en fera un petit dernier en passant, hein, bien sûr. Tiens, Décari, je vais t'aider en prenant tout l'argent que tu peux avoir. Bon, bah ouais, bah je me casse, moi. Hein. J'ai pas envie de rester là. Hein. Là, je suis contre un Twitch qui a mass farm. Il a 50 creeps. Je sais déjà que c'est pas creep. Des petits lags en passant. Ouais, grosse partie, là actuellement grosse partie. Je compte le creep. Ouais, plutôt le vis. Putain, j'arrive pas à creep, je suis nul. Oh merde, cache. Cache-toi, FDP. Pute. Ah oui, d'accord, bye. Bye. Ah bah il a BF, oui, c'est logique. C'est logique, l'ABF. I love a good chase. Vous savez quoi, j'ai presque envie de feed à 0,25 pour être tranquille, pour que peut-être qu'au bout d'un moment leur cerveau bouge. C'est ce genre de personnes, tu leur parles, ça ne sert à rien. Tu leur dis, venez m'aider, ils te feront rien. Ils s'en battent les couilles complètement. Ils sont partis dans leur délire de hey, t'as vu, on se troll parce qu'on est des débiles. Et voilà, c'est tout. C'est très con. Oui. Ne jouez jamais comme ça, League of Legends. Si vous jamais jouez comme ça, League of Legends, bah arrêtez de jouer. Oh, ça fait mal ça. Oh, bien sûr, un PV. Wouah! Mon passif est nul! Faites-vous tuer par Twitch, c'est bien. Ça vous apprendra. De toute façon, je pense qu'elle est perdue, hein, de base. Non, il y a un troll, c'est une game perdue. Donc, j'ai peut-être une petite fois ici pour être tranquille. Et on va continuer. On va essayer de récolter de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah putain, mais j'ai même pas réussi à en avoir un. C'est bon. On va essayer d'en avoir quelques-uns.
Oh là là, mais j'ai tout foiré. On va se barrer. On va voir si on peut pas sniper quelqu'un. Non. En fait, je crois que je vais rester plutôt. Il n'y a pas sur la map actuellement à sniper. Ah, je suis mort. Non, puis j'ai foiré mon flash. Alors là, c'est double mort, ça vient. Alors là, pire que mort. J'ai mis la souris là, j'étais là, j'ai pas flash. Elle a préféré flash par là, c'est bête. Un flash, c'est très difficile à réussir celui-là. Hein. Si seulement j'avais un support. Faut peut-être tenter. Sait-on jamais qu'il gagne un cerveau? Sait-on jamais que j'aurais fait don d'un cerveau? Ah non, là honnêtement, il mérite le report. Hein. C'est vraiment 2-3 sur les deux. Et en plus, il joue mal. Et en plus, il joue mal. J'ai presque envie de lui répondre, toi et ton pote, abruti. Ça va bien de prendre les gens pour des cons, mais... Les années que je joue, je sais reconnaître des trolls quand j'en vois, bordel. Et on tombe une tour. J'essaie de retenir le farm un peu. Parce que mon snipe shot revient dans 20 secondes. Je vais peut-être tenter 2 KS le top. Parce que le but là c'est d'être 2 KS. Allez, d'accord, il y a trop de vie. Meet the long gun of the lock. J'aurais dû auto-attaque. J'aurais dû auto-attaque, j'ai fait le con. Par contre, j'ai vraiment des gros. Ah non, et en fait, c'est des petites pointes de freeze comme ça, enfin de lag. Boom. Bon, si on poche la tour avec le Urbot, ce sera pas bien. Voilà, bon, la tour c'est push. ADC Room, c'est pas mal ça, ADC Room. Est-ce que je peux... Ah non mais attends, c'est un mètre il a combien? Il a un cube, bon ça va. Ils sont pas non plus si fit que ça. On peut peut-être tenter quelque chose. C'est pas non plus la fin.
Ah bah non, je les éloigne de toi, les gars. Mais... Désolé, mais là on est en solo, le but c'est pas de jouer en équipe. Enfin si, le but c'est de jouer en équipe, normalement. Normalement, dans League of Legends, on doit jouer en équipe tout le temps. Mais là, non. Là, non. Très bien, bah alors lui, trop de portée. Ah mais du coup, Lee Sin, t'arrives vraiment trop tard et tu vas te faire tuer comme une merde. Voilà. Voilà, voilà. Dans ce temps-là, bah elle attend, lui attend. Et elle a fait n'importe quoi. Je pense qu'ils les ont sérieusement achetés, en fait, hein, parce que Platine et Gold... J'y crois moyennement. À leur niveau. Je veux bien croire que c'est de la normale, mais bon. Voilà, le Twitch est mort. Ils peuvent sécuriser un kill sur Vladimir, c'est bon. La Morgana, je pense qu'ils l'auront pas. Ils peuvent continuer le push 2000, ce serait pas mal. Je vais attendre un petit peu juste pour avoir la petite épée. Je vais t'enculer, toi. Ah d'accord, c'est gentil. Je vais t'enculer, toi. Ouais, c'est violent, quand même. Attention, il va t'enculer. Tu vas mieux de faire un gaffe à tes fesses. Je pense que celui-ci n'est sérieux. Même s'il ne sait pas où est ton nanu. Je fais très mal l'accent du sud. Vous me pardonnerez si vous êtes du sud. Du coup, on va continuer de farmer. Une grosse game, hein, une game, game of farm en fait. Ouais. Il y a Game of Thrones, mais moi c'est Game of Farm. Je suis passé en mode chinois. Je ne fais que de farmer. Bêtement, mais si possible, efficacement. Est-ce que Joas un creep? Est-ce que Joas un creep mage? Oui, bien. Je tape enfin fort. Voilà, peut-être tenter de péter la tour du bot. Qui sait? Oh, oh, déçu. Ah, mais si vous êtes deux, c'est un autre problème. Si vous êtes deux, le problème est très différent. C'est que vous allez me buter. Voilà, si t'es tout seul, il n'y a pas de problème, mais deux... La toile du bas, elle a combien de PV? Ah, la... oh, attends, je voyais 19, mais non, elle a combien? Ah, elle a plus beaucoup de vie, hein. En quelques autoïdes, ça peut se tomber, ça. Les toiles du top et du bot sont pas encore égratinées. Enfin, les toiles du top et du mid, pardon. Du bot, qu'est-ce que je dis? Je sais même plus ce que je dis. Totalement de la merde cette game qui me coupe dans mes mots. Bon, alors là, maître kill tout le monde. Reste avec l'équipe. Tu veux empêcher qu'un maître te bute, reste avec ton équipe. Pas logique. Attention Twitch, il va décaler sur vous. Sorry boys, I keep the fuzzy cats at home. Hop, bon c'est bien là, on ferme un peu là. Énorme. On farm, on va atteindre la centaine de creeps. Boom. Headshot. J'aime bien la musique en fait. Je devrais peut-être la laisser plus souvent, elle est jolie la musique de la fusion. J'aime bien les violons en plus. J'aime beaucoup le violon. Hop, la ward est à peine partie, j'en repose une. Ok. Nope. Nope. Allez, merci beaucoup.
Est-ce qu'elle est encore là? Pas touché. Elle est partie. Mitton. Hop, on va mettre un petit piège ici. Pour sécuriser le côté. Pendant qu'on va prendre les creeps du mid. Je meurs. Voilà, parfait. On farm toujours. En bot, c'est quoi? Oh, chocaté Vladimir. Je crois que tu vas avoir besoin d'aide, mon vieux. Ok, non, je dois t'arriver par derrière. Ça sera beaucoup plus intéressant si j'arrive par derrière. Surtout pour choper un Cho'Gath. Ok, là-bas. Boum. 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 D'accord, même pas. Bon. Il est mort en tout cas. C'est bien, on l'a eu. Là-bas, on a besoin d'aide pour cette tour. Je peux ultim d'assez loin pour l'instant, ça va encore. J'ai encore assez de portée au niveau de l'ulti. Va, Litzin! Avec ma bénédiction, tu peux la tuer. 3000 dégâts. Il a ulti, Litzin? Litzin, le Yi. J'ai l'impression qu'il a ulti parce qu'il a pas été slow. Je vais rester loin, en même temps prêt. Enfin, je vais rester dans le coin, on va dire. Prêt à faire feu en cas de problème. Ils vont pas tenter de la short, vous êtes fous. Sécurisez-le si vous voulez, mais ne tentez pas. C'est de la folie. De la folie pure. Surtout que Jean-Michel Crapaud vient d'être fait. Donc nous sommes dans la merde. Ah mais c'est Vladimir qui l'a fait en plus. Ouah, il m'a tué quand même l'enfoiré. Ah, je suis un peu dégoûté. Et bah alors là, faites attention parce que lui, il dépouille sa race. On va prendre ça, on va prendre ça. On va partir directement sur un Phantom Dancer. Là, le but, ça va pas être de... Le but, là, c'est pas de compter sur les performances en AOE de Caitlyn. Faut que je privilégie les dégâts et le sol. En fait, ça, c'est bien. Si tu veux faire si en combat, en fait. En combat, c'est bien, tu charges, tu mets des petites patates. Et tu as un tir qui fait très mal. Par contre, avec le Phantom Dancer, tous tes tirs font très mal. Tu as plus de critiques, plus de tirs. Tu peux bouger à travers les unités. Ça, c'est très pratique. En fait, ça te permet de pas te faire body block par ton allié, par exemple. C'est bien, ça. Pas te faire body block par les creeps. C'est bien aussi. Ça te permet de te déplacer librement. Et se déplacer librement, c'est extrêmement important de League of Legends. Surtout si vous êtes dans une partie de merde. Et que vous avez un ADC. Vous êtes un ADC en partie de merde, privilégiez le passage à travers les unités. Honnêtement, je trouve que c'est très pratique parce que ça vous permettra de ne pas être, de pas vous faire choper. Enfin, vous avez moins de chances de vous faire choper et vous débloquer par une équipe qui se positionne mal. C'est con, c'est tout con, mais bon, ça peut aider. Oh, j'aurais presque plus de Twitch. Touché. Ah, il a perdu un peu de vie quand même. Ok, là c'est le moment de la fuite. Mais si vous ratez, si tout le monde rate ses sorts, bordel. Potentiel d'esquive de Vladimir complètement infini. Bon, alors j'ai tiré complètement pour rien. Oh là là, mais quel timer incroyable. Bon, c'est moi, on les a niqués. Il reste Maître et Cho'Gath qui n'ont pas combattu. Ils sont même pas en train de le combat, à vrai dire. Parfait, ça. Oh, eh, ça pourrait presque marcher. Hein. Le Urgot fait quand même un bon taf, je trouve. Le Urgot fait un bon taf. Il fait 8-7. C'est un très bon Urgot. On sécurise une tour. Est-ce qu'on a le temps d'en sécuriser une deuxième? Pour moi, non. Mais bon, on est 5. On est 5. On a deux ultis présents. Enfin, deux ultis. Un ulti présent, pardon. Il faut peut-être la tomber assez vite. Ah ouais, elle tombe trop vite. Elle tombe trop vite cette tour. On va se mettre vite hors de portée de la catalyste. On va mettre des petits pièges. Et on se barre. Cassos, cassos, cassos. Hein. Là, c'est... on se barre général. Là, eh oh, les mecs. Restez pas là-dedans.
Sortez-vous de là! Bande de débiles! Pourquoi ils sont restés? Ils sont restés vachement longtemps. Ouah! Non! Non, non. Je déteste Metroid. Je n'aime pas Metroid. On va prendre des bottes de vitesse. J'en ai marre. Courons plus vite que lui. Pas possible. Mais courons plus vite que lui quand même. On a un zèle. Pourquoi déjà courir plus vite? Zèle plus amélioration de bottes, ça nous permettra de sprinter un peu. Et d'éviter de se faire rattraper par des fusées. J'aurais pas dû gâcher ma mana comme je l'ai fait tout à l'heure. Voyez, faut pas gâcher sa mana. Mauvaise idée. Mauvaise idée, si vous êtes dans le tryhard, ne gâchez pas votre mana. Ne vous amusez pas à faire des sorts en ville, même si c'est drôle. Je ne sais vraiment pas comment ça va rendre. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo de League of Legends avec XSplit. J'espère que ça rendra assez fluide pour vous, en tout cas. Moi je m'en fous, mais j'espère que vous ça rendra assez fluide. Parce que mon PC brûle en enfer pour faire ces vidéos. Oh, oh, bénédiction. Freekill, reviens. Reviens à moi. Freekill. N'aie confiance, viens à moi. Que je puisse te mettre une balle entre les deux yeux. Oh mon dieu. 800, 720 de dégâts avec ça. Mon dieu, elle est sérieuse, Metroï. Ah, je pensais pas que son Q-spell faisait aussi mal, en fait. Je pensais vraiment que c'était un utilitaire qui servait à sauter sur la cible. Ah oui. En fait, le Metroï, enfin le nouveau Metroï, je veux dire le nouveau Metroï, mais en fait, le Metroï depuis sa refonte, qui date d'il y a quand même longtemps, excusez-moi pour le bâillement, le Metroï qui, depuis sa refonte qui date d'il y a longtemps, en fait, c'est un monstre, enfin... Il est basé sur Q-spell en fait. Genre il fait un Q-spell et t'es mort. Pas possible. Enfin, ancien maître Yi, tu pouvais soit le jouer AD, t'avais tes autoïdes qui faisaient mal, ou soit le jouer AP, t'avais ton Q-spell qui faisait mal. Là, bah le mec fait les deux en fait. C'est bien. Du coup, ses autoïdes font toujours aussi mal et son Q-spell fait toujours aussi mal. Mais ce coup-ci avec un seul stat. Mauvais timer. Avec le filet. Disrespect total. Avec le filet. Je l'ai filé. Parfait. J'ai un lifesteal. Hein. Je me demandais si j'en avais un, mais j'ai bien un lifesteal. J'ai du lifesteal. Est-ce qu'on peut tenter un KS de génie par contre? Ça m'étonnerait. Mais pourquoi t'as la vision? J'en ai marre. Le Metroï, ça arrache tout le monde, putain. Metroï, ça arrache tout le monde! Oh, monsieur monstrueux! Please, faites quelque chose. Metroï, ça arrache tellement tout le monde. C'est tellement puissant, Metroï, je trouve. Regardez, il est à 10 kills. On l'a pas feed, hein. C'est le seul qu'on a pas feed. Enfin, c'est l'un des seuls qu'on a pas feed. Et il se trouve à 10 kills, tout seul. Juste par le plaisir d'être Metroï, il nous a foncé dedans, il a tué tout le monde, il a tué des gens, et voilà. Regardez, c'est celui qui a le plus d'assists, hors Morgana. Morgana est là pour avoir des assists, normal. Mais lui, c'est celui qui a le plus d'assists, hors Morgana. Donc ça veut dire que c'est celui qui était pas feed au début, vu que lui il prenait que les assists. Et rien qu'avec ça, il a repris tous les kills. Du coup, il a plus de kills, plus d'assists. C'est énorme. Du coup, il a tout de plus que sa team en fait. Sinon, on peut se dire, ouais, il est mal, il prend des assists. Regardez, j'ai 9 assists, moi. J'ai 3 kills seulement. J'étais mal, normal. Mais c'est pas pour ça que je vais revenir et puis faire 25 kills d'un coup, quoi. C'est pas pour ça que je vais tuer tout le monde. Pas parce que j'ai eu quelques assists que je vais tuer tout le monde, c'est pas possible. Metroï, lui, s'en bat les couilles. Il le fait quand même. Bon, très bien, j'ai tué tous les creeps. Est-ce qu'on peut aller aider les bonhommes là? On va essayer d'aider la team un peu. Enfin, d'aider. C'est la team équipe. Oh! Oh! Vision, please! Twitch! Quoi? Je l'ai perdu! Non! FTP de Twitch! Je l'ai perdu parce qu'il s'est rendu invisible! Mais quel con! J'aurais dû ulti bien plus tôt! J'ai fait le con, en plus je joue en caméra lock, quelle idée!
Quelle idée. J'aurais dû l'ulti bien plus tôt. Ah, c'est mignon ça. Ah, c'est bien ça, ça nous indique qu'ils font le lâcheur. Tu l'auras pas. Sale merde. Ah, bah oui, bah, c'est sale merde. C'est vous qui êtes des sales merdes, les mecs. C'est vous qui avez. Ils ont le lâcheur, putain. Ah, maître, il a dû venir en fort. Il a fait. Ah, la trichot. Bon. 200 creeps, maître. Mon dieu. Et c'est un jungler. Right. Tellement puissant. Je propose qu'on mette des pièges. Ouais, c'est ça. Il se laisserait manger, je l'aurais appelé nul durant toute la game. Je fais du rien. Hein. Oh, 60 points de dégâts, c'est énorme. Il s'est régène, mais là. Voilà. C'est énorme dégâts de mon champion, actuellement. Non, j'aime pas ton ulti, toi. Faut que je kite. Ah bah là, on est tous morts, là, non? I'm alone in the world! Je suis seul au monde! Bon, bah c'est l'ace, hein? Voilà. Voilà, voilà. Je ne fais aucun dégât. Je fais que des coups critiques et de la D et je fais aucun dégât. Et eux, ils sont 5. Bon, les finissent, hein. Les finissent la game. Finissent la game. Bon, bah très bien. Donc ça s'est super mal passé, hein, voilà. Voilà ce qui se passe quand on tombe avec deux trolls. Ah, il fait aucune pitié quoi. Oh putain. Ils la veulent leur victoire. Ils la veulent. Voilà comment se faire poutrer, le tutoriel. Ce sera le titre de cette vidéo. Comment se faire défoncer dans League of Legends alors que vous avez juste essayé de passer une game normale. Voilà, tous les ingrédients pour bien vous faire défoncer dans League of Legends, c'est présenté par Yukakik. Merci beaucoup. Du coup, bah, on va quand même aller voir l'écran des scores. Aïe, je me suis fait mal. Alors, c'est score. C'est score, c'est quoi? 3-11 pour moi. Gros score, hein, actuellement. Reporty and Cassio. Alors, oui. Il n'y avait pas de Cassio. Il y avait bien Yi, mais il a juste carry, en fait. Donc, déjà, on va tout de suite report ces deux abrutis. Pour. Bah, là, c'est. Elle team adverse. Là, je vois pas comment tu peux faire autrement qu'aider la team ennemie. Qu'en faisant l'abruti. Du coup voilà, grosse stat, hein, 3-11 en tant qu'AD carry, le moins de gold de la team. Donc honneur quand même à l'Urgot qui s'est très bien démerdé, hein, il a vraiment bien joué lui, j'ai envie de dire, t'as bien joué. Mais voilà quoi, après les mecs, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux que je leur dise, c'est des abrutis, c'est des abrutis. Ils ont fait de la merde de long en large et en travers, voilà, quoi, c'est des cons, c'est des cons. Et du coup, bah, qui en pâtit, bah, c'est moi, parce que je devais avoir un support, et bah, j'en ai pas eu, et du coup, je me suis fait défoncer. Puis moi, ta fille, bah oui, bah, c'est bien, ta fille, mais je veux bien fille, mais en fait, quand c'est pas justifié, c'est pas justifié. J'avais personne avec moi, là, ils avaient un droit de dire. Hein. Donc voilà, honnêtement, j'ai l'impression même d'être tombé qu'avec des Français. Donc voilà, tomber pas avec des Français à l'avenir, c'est une très bonne solution pour gagner. Si vous êtes Français vous-même, bah, essayez de devenir Anglais. Dans votre tête, tout du moins, et de jouer bien, enfin correctement, tout du moins, de ne pas être très très con. On va aller voir un peu les dégâts, mais j'ai rien fait quoi. Ouais, voilà, j'ai rien fait du tout. J'ai pris cher, voilà. Maximum de dégâts, c'est même pas maître vie, c'est quand même idéal dans notre équipe. C'est même pas maître vie, je m'attendais à ce que ce soit maître vie. Mais voilà, comment se faire casser dans League of Legends? Prenez une team ennemie qui fonctionne, prenez une team alliée qui est complètement débile, avec si possible un troll, un AFK. Ou un feeder intentionnel, et voilà. Et voilà, vous l'avez votre défaite, il n'y a pas de problème. Par contre, après, pour gagner dans League of Legends, c'est un tutoriel beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut beaucoup de paramètres. Déjà que la team ennemie, bah, si possible, est un troll, un AFK ou un feeder. Et si possible que votre team soit organisée, parce que malgré que les adversaires ont un AFK, vous pouvez perdre en 4v5 si votre équipe est constituée que de débiles mentaux.
C'est bien possible ça. Si vous jouez pas en équipe, vous pouvez perdre en 4v5, c'est possible. Donc, ouais, voilà, Maître Yig 13-3, tu m'étonnes, il se met tranquille, quoi. Puis le Twitch aussi, hein. Bon, bah en tout cas, GG à eux. GG à eux, bon, voilà, c'était la game bien débile de base. Voilà, j'espère tout de même que ça vous aura plu, en tout cas, cette game, malgré qu'on se soit fait littéralement exploser. Gros troll actuellement, hein. Vous pouvez retenir les noms de ces trolls si vous voulez. Dès que vous les avez en game, vous quittez votre game, comme ça vous êtes tranquille. Vous tomberez pas avec deux abrutis, ça peut être pratique. À part si vous les avez en ranked, hein, peut-être qu'ils avaient vraiment leur titre de gold et de platine. Peut-être qu'ils tryhardent un peu en ranked, peut-être qu'ils au moins jouent bien, ça c'est possible. Mais bon, par souci d'être sûr, d'être tranquille, ne jouez pas avec eux, c'est très bien. Et si c'est vous-même, eh bien vous êtes des beaux enculés, voilà. Si vous regardez ma vidéo actuellement, eh bien sachez que vous êtes de beaux enculés. Et puis vous m'avez bien fait perdre les petits cochons. Voilà, bah sur ce, j'espère tout de même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. À vous abonner à la chaîne bien sûr, à me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, etc., etc., des trucs à dire, si vous voulez me dire, ah vas-y, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, n'hésitez pas à me parler hein, dans les commentaires, je lis et je réponds. Voilà, sur ce, bah, écoutez, salut à tous et à la prochaine. Allez,